Pour injustice dans la police là. Moi, son victime. Je ne sais pas si je là, sous plateau, mais je dis ça. Madame, je ne sais pas si pas bon. Je ne sais pas si parce que je ne sais pas si je ne pas caper le caïm. Dans la police là. Et là, ça sont amis qui disent que je ne sais pas si je l'album qui a pour été à l'époque, il a l'album moins. Il tout bon forme dans de la police. Pour nous référer pour notre question, ça, nous sommes ensemble avec nous dans le studio, nous, inspecteur Jean Elder Lundi, lycée, coordonnateur SPNHA, syndicat qui est dans la police nationale. Là. Inspecteur, bonsoir. Bonsoir, Benson. Bonsoir, tout auditeur Télé 20 et que c'est un plaisir pour moi d'avoir dans l'émission. Merci beaucoup, inspecteur. Rapidement, racontez-nous l'histoire dans la police. Là. L'entrée, parcours pour venir inspecteur divisionnaire, je veux dire. Bon, son parcours qui gagne un peu l'histoire là-dedans. Côté que moi, j'ai intégré la police en 1995. En octobre, bon, nous, et promotion nous sorti en octobre 1995. Côté nous premier déployé, nous déployé Wanament. Et que c'est là que j'ai commencé le travail dans la police. Là. Mais tout de suite après, j'ai devine transférer quoi des bouquets. Côté que j'ai fait un bon temps de travail quoi des bouquets. Et puis, de quoi des bouquets, transférer, mal en province, moi retourner. Et puis après, ça vient de passer 7 ans en BIM, c'est là que je viens de vraiment mon stabilité. Vous prenez grade tout entre temps? Oui, je prends promotion tout. Bon, depuis l'année 2000, je commence à prendre grade, je suis sorti agent 2. Okay. Et que, à l'époque, 95 ans, puis le policier sorti agent 2. C'est après que je viens de retourner dans agent 1. Même sorti agent 2 et puis me fait 7 ans en BIM côté que me vienne une stabilité Port-au-Prince côté que me fait des activités économiques business bagaille que après ça me vienne dans DDO tout près nous là que les salités dans parcours là et me devine dans DDO et me travaille dans comme investigateur dans SDPJ mais depuis avant tout me travaille dans comme investigateur dans différents commissariats que me passé et puis me devine tomber dans SDPJ côté me travaille en tant que enquêteur. Et que après ça, et pendant SDPJ, je suis tombé Delma. Et Delma, de Delma, Pétionville. Et puis, étant Pétionville, je décide que faut que je travaille Jacques Mel. Parce que c'est mon Jacques Mel. Ah, okay. C'est là que ça me décide, me dit que je veux travailler Jacques Mel. Et puis, m'organiser, je parle à tout le monde pour me parler. Et puis, je tombe Jacques Mel. Je ne parle pas dans la ville, mais c'est mon qui est originaire de un local de section communale qui est le Cap Rouge, qui dépend de Kajakmel. Et puis, je me fais ouvrir Kajakmel, je travaille avec Kajakmel dans la commune. Moi, et que c'est là, jusqu'à présent, c'est la mienne, bien que je ne porte au président SPNHA, mais c'est Kajakmel que je suis affecté pendant ma parole. Voilà. Très bien. Bel parcours de, ou même dans la police nationale, jusqu'à ce que je vous dis là aussi, inspecteur divisionnaire. Ouais. Et nous parlons de les détails pour que nous comprenions la police. Là. Donc, on a parlé là, inspecteur. Combien de policiers qui encore là? Bon, pour le moment, là, je crois que la police, là, d'après, bon, bien que vous connaissez qu'il y a une variation faite pour hier, bon, policier qui mourit avant, hier, qui mourit. Mais d'après la dernière rencontre que nous avons eu avec DP, il dit que la police a un effectif que de 14 900 policiers. 14 900. D'après la dernière rencontre que nous avons eu avec DP, c'est ça le débat nous comme référence. Dans 14 900, il y a 14 700 qui sont actifs. Okay. Et puis, il y a 200. Dans 200, ça arrive un policier qui est handicapé, qui n'a pas à travailler, qui a étudié là-bas. Dans 200, ça a plusieurs petites fractions là-dedans qui viennent faire que il y a 200 policiers qui n'ont pas actifs dans la police. Comment vous intégrez la police là? Bon, ce n'est pas en voie de concours, mais quand même, c'est un processus qui est assez simple. Parce que ça il y a un bureau de recrutement permanent. Côté que à n'importe quel moment dans l'année, on parle dans le bureau ça yo, ou inscrit couramment. Et l'on inscrit en gué pour poter. C'est-à-dire qu'on inscription en permanence. Oui, en permanence, oui. L'on inscrit en yapman de. Bon, petite classe pour faire ses 9e année fondamentale. Depuis admis en 9e année fondamentale, la police l'a prêt pour le recevoir. Mais entre temps, tout le monde, il faut qu'on gagne c'est du carbone vie et mœurs, il faut qu'on soit un monde qui n'a pas de jambes condamné en peine affective ou infamante. Il faut qu'on pas de jambes
perdu nationalité ou faut que tu aies toujours été haïtien. Je crois que c'est des petits différents détails ça que yo mando pour capable entrer intégrer la police là. Après ça, il y a un exercice physique, interview. Ouais, bien interview, un test pour faire, un test intellectuel pour faire, un test physique, faut qu'on gagne, faut qu'on en bonne santé, faut qu'on pas gagne aucun maladie, faut pas gagne sida et gagne l'autre maladie encore pas doué gagner pour qu'on intégrer la police là. OK. Maintenant, au moment que policier ou bien tout policier, combien heures de temps nous travaillons par jour? Bon, horaire là, licence varier, tout dépend de qui côté on travaille. OK. Même dans l'ouest là, il varie. Soit travailler Port-au-Prince, Delma, quoi des bouquets ou bon horaire 12 heures de temps. OK. 6 pour 6, c'est-à-dire les 6 pour 6 là. OK. Mais si on travaille en province ou bien dans des coins reculés, mais en dans département autour, en un mi-temps, comme ça tout, si on tape en Jacques Mel, dans le département sud-est là, même dans le bureau départemental là, c'est toujours horaire 6 heures de temps, 6 pour 6 là. Mais quand on commence à rentrer dans la zone reculée, ou quand on aurait policier qui fait 6 jours de travail dans le poste là. Non-stop. Oui, non-stop. Il fait 6 jours de présence et puis il fait 6 jours de congé. Oh, OK. De façon alternée. L'autre qui fait le premier 6 jours, ça, il rentre. L'autre là, il fait 15 jours. Tout dépend de gens que responsables avec police ou arrangé yo pour que nous aurait cap bon pour parce que en pile nan yo cap travail dans zone ça yo pas moun dans zone nan si que gen famille au Port-au-Prince gen famille dans n'importe l'autre province faut y aller fonti ta famille yo ça vient faire que l'autre gon aurait 6 jours de travail ou bien 15 jours de travail l'autre 15 jours pour les lier de ça dormir le vin de commissariat ouais commissariat ça yo préparé pour ça même. OK, yo gen droit toi pour police dormir mais des droit toi qui vraiment qui laisse à désirer en plus fois qui est-ce qui décide dans qui commissariat qui police va aller. Bon, il fait, bon, l'on a considéré à partir de déploiement, là, un groupe politique fait sorti. Il fait d'une manière aléatoire. C'est seulement, il dit, nom de A à B pour aller tel côté, nom de B et de J à M pour aller tel côté. Il n'a pas fait d'une manière pareille. Mais quand même, quand il y a des gens qui ont demandé des traitements de faveur, côté que les gens qui ont un proche li, qui choisit un côté pour lui. OK. Mais d'une manière générale. Parce que souvent, policiers, il y a des gens qui ne peuvent pas aller. Et quand vous pratiquez tout dans la police, là, si un policier fait un bagarre avec un gros chef, là, etc., au moment des transferts, il dépayse l'autre côté ça, c'est dans le bois que lié. Il y a ça, il y a une réalité. Oui, réalité, ça, c'est une réalité qui existait et que pour le moment, il y a des zones que vous considérez comme ça, comme zone nord-est, nord-ouest. Je considère comme des zones pour leur besoin exiler un policier pour retirer, punir un policier pour voyer dans zone ça. Bon, c'est une réalité liée. On nous pas qu'à nier la réalité ça. Et il est toujours fait comme ça. Mais pour moi-même, qui c'est un faux procès. Parce que imagine au pays, c'est 27 700 km². N'importe côté où tu as supposé voyer dans la police là. C'est la police nationale liée. C'est le travail qu'a fait. Mais dans l'esprit en pile, gros chef, il fait comme ça. Donc, c'est son pratique qui est connue. Son pratique qui est connue, toute police qu'on a. Il y a des gens qui ont voulu là, on met connaît son sanction liée. Maintenant, un policier, lundi, inspecteur lundi, à part de policier lié, qui a l'activité économique qui est capable de faire? Est-ce qu'on est limité dans ce sens? Oui, police est limitée, effectivement. Loi interne la police interdit policiers pour faire business d'une manière générale. OK. D'une manière générale, ils interdit policiers pour faire business. Mais quand même, que policiers qu'on contourne loi ça, yo fait business avec madame yo, petite yo, monde qui proche yo, mais qui toujours qui parfois qu'on joue des problèmes avec des monde que si était yo t'a fait personnellement. Mais quand même c'est une réalité liée li nan règlement yo côté que yo interdit aux policiers pour faire business. Non, policier inspecteur travaille 12 sous 12. Non, l'autre 12 heures, qui est-ce pour le faire là-dedans? Qui est-ce capable de faire là-dedans? Est-ce qu'il est capable d'aller à l'école? Est-ce qu'il a du temps pour aller à l'école pour continuer à étudier? Et quelle activité est-ce capable de faire? Parce qu'il est moitié journée. Bon, ça c'est un coup et j'en dis, il prend toute journée en amont. Reste moi, je dis, c'est le pour aller dormir, reposer. Mais quand même, policier, en pile dans policier qui est très intelligent, il veut faire en pile dans faire étudier. Je continue à étudier malgré et Jean-Aurélien. Il y a un pile policier qui m'a dit qu'il y a un doigt naïf, qui n'a un doigt plusieurs autres côtés.
Yo fait quand même, mais quand même, c'est un bagage qui a été fait juste pour empêcher policiers à l'école, pour empêcher policiers augmenter savoir yo. Mais quand même, en pile policiers arrivent à faire des efforts malgré les réagents liés là. Yo arrivent à faire des efforts, yo contourner et puis yo en pile nan yo arrivent à faire droit, yo quitter la police, yo travaille en tant qu'avocat, en pile policier fait ça. Maintenant 12 heures dans ça et puis faut policier au bail là. C'est la journée ou bien les... Oui, au bail li aurait yo konn gen des fois qu'on fait aurait yo comme ça d'ou travail ou bail ou quantité au cours de la journée ou quantité dans nuit et aurait a konn parfois un peu de la nuit, un peu le jour, c'est okay, une flexibilité. Une flexibilité en dehors là. Maintenant, en de la police, a gagné différentes unités. Dis-nous là, qui a intégré différentes unités ça. Et des fois, tout policier qu'on aime entrer dans une unité spécialisée ça. Bon, première condition pour mon entrer dans une unité. Combien d'unités gagné d'abord? Bon, ma PC, bon, on liste là que par contre si m'a trompé parce que j'ai un pile, j'ai BIM, j'ai Boyd. Gen UDMO, gen CIMO, gen BLTS, gen USP, USGPN, gen Polyfront, USPH, gen BRI, gen BPM, gen APNA, gen BLVV, gen 4, gen SWAT. Bon, en fait, c'est 4 teams. 4 teams, non, ouais. C'est l'immigré des 4 là. Ok. Gen plusieurs unités. Côté que pour intégrer n'importe unité, il faut d'abord que soit un policier. Ok. Ça, c'est l'élément de base là. L'élément de base là, il faut que sortir une promotion quelconque. Mm-hmm. Avant pour aller, on va aller sortir dehors, on est rentré dans telle unité d'une manière directe. Premier compte pour y être forté sur formation forte de base. Forté sur formation de base dans la police, dans l'académie, hein, et puis après ça, pour toute l'autre unité ouverte pour vous, bon, d'une manière conditionnelle quand même. Maintenant, les policiers ont toujours aimé, puis ils ont une unité spécialisée. Oui, un pile policier aimé. Mais je trouve que plus fort dans les policiers administratifs, qu'il y a aurait d'elle là. Et plus fort policier. Maintenant, comment intégrer une unité spécialisée yo? Est-ce que c'est contact pour vous faire ou... Non, bon, quand on a un recrutement massif, comme on a de temps pour leur créer, leur faire créer, ils ont lancé appel à toute police qui t'a voulu intégrer, tant qu'on leur a créé BIM. Mais ils ont lancé appel là, et puis moi-même, je suis responsable personnel dans le commissariat qui est calvaire là. Ok. Et bon, là, il y a des bouquets, et moi, je suis responsable personnel. Et puis, je suis choisi à aller dans BIM. Je suis rempli, aller, je me dis tête, je voulais aller, puis je m'inscris normalement, et puis je suis formation, et que je passe 7 ans dans BIM. Et ni pour boy tout, ou moun qui veut qu'on lance des appels, lancer des circulaires, on dit que mettez l'unité pour le faire, pour intégrer. Mais quand il y a la leur, l'unité, ça finit fin formé de la formation. Yo qui doit, sous base quelconque, ou moun, ou produit une demande. Et puis, vous intégrer l'unité. Vous devriez mettre garde côte dans l'unité. Oui, je ne vais pas mettre garde côte vraiment. Je vais dire que je suis capable de faire quelque chose qui est en pile. Oui, garde côte là, c'est une. Et l'autre aspect encore, policiers, puisque il y a plusieurs qui ont fait pas ensemble avec eux, c'est les yo en détachement. Ça veut dire, policiers en détachement. Bon, policiers en détachement, il y a sacré les unité de sécurité des routes personnalités de l'État. Okay. C'est lui-même qui est responsable du détachement. Et depuis qu'on est détaché avec soi, avec un ministre ou directeur général, c'est qu'on a USHPE. Mm-hmm. On a une unité ça. C'est lui-même qui gère VIPO. Mm-hmm. Mais il a même intégré unité ça, il fait dans l'autre genre. Okay. C'est sous la demande de VIP. Hein. Que, si vous êtes dans un détachement comme ça, aussitôt que VIP ça, pas dans le poste encore, vous retournez dans le commissaire, non, commissaire de TDG. Okay. Que, c'est lui-même, c'est dans DG à qui c'est sécurité, bâtiment, les locaux de la direction générale. Mm-hmm. Et là, retourner. Mm-hmm. Que là, de là, on est capable de retenir le détachement encore, ou du moins, si on voit dans un commissariat quelconque. Ok, mais, allez-y. Tant que vous avez un policier qui a quitté la sécurité, un sénateur, le que le sénateur n'est pas en fonction encore,
il retourne à TDG, puis de là, il transfère dans le commissariat. Ok. Par exemple, moi, si je suis VIP, mon ministre, mon directeur général, mon sénateur, mon député, quelconque, je suis capable de dire que c'est tel policier qui veut venir dans. Oui, il doit choisir des policiers qui pour accompagner, parce que là, c'est sécurité personnelle ou la pied. Et proximité, confiance, il faut qu'on gagne avec les lois, les plus ou moins. Vous pouvez faire trop confiance parce que vous confiance, okay. Ou pas contre qui vous avez, c'est ça qui est le problème. Là. Maintenant, les policiers en détachement, c'est-à-dire qu'il y a une unité spécialisée ça pour la sécurité à des officiels. Mm-hmm. Il y a un salaire et de base. Il y a un autre petit comme quoi? Oui, il y a un frère. Il y a un frère qui est variable. Qui est variable, tout dépend de à qui vous êtes détaché. Mais il n'y a pas régulier vraiment. Ok, qu'est-ce qui est balil? L'État. Non, est-ce que l'IVIN entre de façon formelle ou son chèque? Ok, son chèque lié qui est dans l'État. Un chèque qui est balé d'une manière périodique, peut-être chaque 3 mois, chaque 6 mois. Okay. Mais parfois, il y a même perdu là-dedans, même il y a plus de chèques de détachement perdu. Oui. Parce qu'il n'est pas vraiment régulier. Mais maintenant, l'autre avantage qu'on vient de gagner, c'est avec VIP ou courrier, selon qu'il est généreux ou pas, il est capable de. Bon traitement, il y a un policier avec l'IA. Traitement, il y a un policier avec l'IA, tout dépend du caractère. Li. Et les policiers doivent bénéficier en pile de VIP, mais qui pas d'une manière générale gagne de VIP ou avec ou même rien ou pas vraiment vrai. Oui, ça parle de caractère VIP. VIP ouais. Ouais. Maintenant, l'on a une unité spécialisée. Est-ce que vous ferez en plus qu'on jeune gon... Oui, toute unité spécialisée ou censée gagner frais. Vous gagnez frais, mais quand même, il y a des groupes. Que yo pas tellement considéré comme bien que yo son unité, yo pas considéré comme des unités spéciales. Tant que BIM, yo pas BIM frère. BIM, d'une manière générale, BIM pas jeune frère. Bon, pas les citer Boy parce que pas vraiment connu pour Boy, mais quand même, BIM pas jeune frère parce que m'était là-dedans, pas jeune frère, bien que li son unité qui là pour faire ça ne décarrer les relation communautaire, c'est ça qui est à la base, parce que c'est sous ça toute formation de bail. Et c'était une unité qui était faite pour rapprocher police de la population. Je dis que brigade d'intervention motorisée, la logique là, c'était à ce que avec motocyclette là, pour police était rentrer dans toute petite localité, tout petit corridor, pour la proximité avec la population, pour avoir une proximité entre police et population, qui c'est un qui était une bonne guerre, mais qui n'a pas vraiment arrivé à appliquer dans la police. Là, là on parlait de BIMNA. BIMNA, oui. BIMNA n'a pas vraiment arrivé à faire travail là, en Jean-Paul Eiffel comme unité qui était là pour te rapprocher police de la population. Ok. Maintenant, il y a un problème et que les policiers ont toujours plein pour lui. Il y a un mouvement qui était fait sur le directeur général Gédéon, une fois où tu as fait un examen. C'est question de grade là. Comment il a attribué grade dans la police là et ce qui base à attribuer grade dans la police là? Bon, ou fait tout rentrer dans le point que peut-être que ou cap pour arriver sur lui, c'est dans le cadre syndical les plans de carrière là que vous avez souhaité gérer le problème ça. Ok. Et dans le plan de carrière là, qui c'est un outil qui était là pour te faire policier en vie plus à l'aise dans le job là, pour te gérer ni vie. Et vie policière, ni condition pour améliorer la constitution de vie li, à condition de travail li. Mais plan de carrière là, en pile monde qui comprend ni, yo wè que c'était une vaste organisation de qui de bon, pas de vle utiliser terme nan, mais qui gen pile bagay la dan qui louche, qui ou pas vraiment appliqué plan de carrière la vraie. Qui vient faire que plan de carrière a été sorti en 2013 avec Lamotte, avec le Premier ministre Lamotte, mais qui n'a pas appliqué parce que ça a été dit, vous avez fait dans le plan de carrière là. Vous avez dit dans le plan de carrière, la police est supposée jouer une grade chaque 3 ans. Mais qui était un plan mal réfléchi parce que si vous avez imaginé, pour chaque 3 ans, un policier prend une grade. Ou t'as gardé pyramide pour t'as respecté vraiment vrai. Ok, ok. Pyramide pour t'as respecté. Ça veut dire logique garde chaque 3 ans. Garde chaque 3 ans. Il n'y a pas qu'à respecter. Il n'y a pas qu'à respecter son plan de carrière. Il est supposé à le reviser. Il supposé à le reviser. Au moins, l'on considère un agent 1. Si chaque 3 ans, il prend grade. Ou en 9 ans, il est supposé être un agent 4. Oui, oui. Parcours là, toi, petit.
Oh, ok. Les papes suffit parce que dans 9 ans, ou getan, si je bien calculé, agent 2, 3 ans, agent 3. 6 ans. 6 ans. Agent 4, 9 ans. 4, 9 ans. Oui. Parcoulant, il mal calculé. Idem pour inspecteur, toi. Idem pour inspecteur. Bon, au moins, il doit appliquer le commencer à arriver dans l'inspecteur. Mais pour agent, il t'a baillé ou mal donne côté que pyramide, là. Jean, il a monté rapidement, pyramide n'a pas d'appréciation. Mais en même temps, tout, inverse là, tout, il y a des problèmes. Il y a des policiers qui n'ont pas encore là depuis 15 ans, qui ne peuvent jamais prendre trop grade. Mais c'est là le problème. Ou policier pas qu'à faire 15 ou capable d'accord que un agent fait 5 10 ans dans un grade bon d'une manière simple mais qui pas tout à fait ça mais l'on prend un inspecteur divisionnaire qui fait 15 ans dans un grade ça on va demander côté ça passe c'est le cas de vous-même côté problème non ce n'est pas mon cas mais gagne dans la police là. OK et quelque quoi que frustration que ça vienne bail qui vienne faire que policier vienne vraiment gon nonchalance qui vraiment débordant. Maintenant à chaque étape ça, l'on sorti dans agent pour aller dans inspecteur, il y a un concours qui fait là. Ouais. L'on sorti dans inspecteur pour aller dans commissaire, il y a un concours qui fait là. Concours qui fait oui. OK. Mais maintenant est-ce que ça va qu'on arriver et c'est policier qui peut passer concours de agent à inspecteur de inspecteur à commissaire. Non non, il y a deux façons policier prend grade en dans la police là. Soit par compétence dans le concours ou bien soit par ancienneté. A qui gon j'ai quand même la passé étape là. Ah, ok. Ok. Parce que bon nombre d'années ou fait dans le grade là, que vous avez un service dans le grade là, bon nombre d'expériences que vous faites, expérience là, la police a considéré. C'est-à-dire, vous avez des gens qui tout dispensé de concours là. Oui, vous avez des gens qui viennent. Et ça fait que nous temps là, des jours, on sait de grade, sorti agent 4 à l'inspecteur. Parce que imaginez, vous faites 10 ans agent 4. 8 ans agent 4, 15 ans agent 4. Est-ce que je parle de quoi dans le concours encore? Non, il est obligé de garder là, dans la rubrique santé car il est ancienneté. Tout à fait. Tout à fait. Il est dans la rubrique ça. Mais toujours est-il, frustration pour garder là, il est très présent dans la police. Oui, c'est un bagaille qui, jusqu'à présent, là, imaginez, pendant que nous sommes en très courte, nous sommes des projecteurs inspecteurs municipaux. Il aurait été comme ça, il voyait le nombre de temps pour être arrivé, il mettait l'inspecteur principal. Non, moins que un an, il y a un divisionnaire là. Non. Et il y a 9 ans divisionnaire, il y a 5 ans divisionnaire. Soit pas le diable, ou t'as souhaité le commissaire à Kounia. Pour regarder là, pour comprendre bien, on parle de inspecteur municipal, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, on parle ça sous épaulette et policier. Lorsqu'elle gagne seul bas avec étoile là, les municipales, lorsqu'elle gagne deux, les principales, lorsqu'elle gagne trois, les divisionnaires. Correct. Oui, et ça l'est. Ok. Ouais, j'aime là. Quoi, jouer là, on sont divisionnaires avec étoile et plus et trois bas là. Maintenant, on regarde les policiers dans la rue. Là, on va me dire, le map travaille sur l'émission, il y a quelques amis qui parlent ensemble avec moi. Mais qui est-ce que tu inspecteur à quelque chose à moi? Qui traite mon policier aujourd'hui, Léon dans la rue? Est-ce que mon Dieu qui a veillé sur eux? Est-ce que y a un inspecteur qui fait pour essayer de faire travailler? Ça sont volés. Et dans la rue, est-ce que mon regard sur les policiers dans la rue? Bon, il y a un bail que je connais, c'est que dans la police, là, dès que vous venez dans le grade inspecteur, ou sont dans un commissariat ou sont superviseurs automatiques. Okay. Normalement, ils étaient supposés boire une machine pour aller faire supervision dans l'arrière pour capable contrôler le travail de l'autre policier qui est affecté dans différents points. Okay. Moi-même, j'étais confelle. Je suis travaillé dans la Pétionville, je travaille mal, je suis dans la sécurité publique, mais nous avons toujours à virer pour nous contrôler chaque point, pour nous contrôler le travail policier. Vous êtes que... responsable sous commissariat? Oui, actuellement là. Ok, vous êtes responsable sous commissariat parce que vous êtes inspecteur divisionnaire. Ouais. Oui. Ça qui arrive tout, il y a un inspecteur divisionnaire qui est responsable d'un commissariat dans la commune. Il y a un pile inspecteur divisionnaire qui est responsable commissaire dans la commune. Dans la commune, Kay Jacmel, son inspecteur divisionnaire qui est responsable que moi-même, moi adjoint. Ok. Dans Kay Jacmel. Il y a plusieurs comme ça. Et pour la rue, on a dit, policiers dans la supervision, les supposés faites. Oui, les supposés faites. Mais parfois, on a des contraintes. Ou qu'on a la police, la machine, on pas assez de machines. Lorsqu'on a 3-4 machines, on met 3-4 patrouilles dehors. Qu'on a un inspecteur qui est supposé faire supervision, pas de machine disponible pour faire supervision, il est obligé de faire journée dans le commissariat.
Et ça qu'on arrive assez souvent. Mais des fois, nous connaissons les policiers dans l'arrière. Nous connaissons dans l'arrière, mais nous pas qu'à le superviser parce que les moyens n'ont pas disponibles pour ça. Toujours dans l'arrière, je vous demande pour demander au inspecteur. Souvent, je ne vais pas généraliser carrément, souvent, les policiers dans l'arrière, ils ont checké, etc. Lorsque vous avez une machine, vous avez des gens parlent avec les chauffeurs. Et lorsque vous avez des clairs, qui laisse comprendre que les policiers ont des choses à demander avec les gens qui ont des machines, avec les chauffeurs. Vous comprenez ça? Bon, j'en dis, je ne parlais pas aborder le comme ça. Aborder le Jean-Paul. Et imaginez-vous, moi-même, moi, quand pour dans la rue, je suis en licence. Que mon nan tout voye le baou avec ou tout voye le bam avec 1000 goud. Les ça policier ali même li devant choix, soit que l'accepte ou bien il gagne deux choix, soit que l'accepte ou bien il refuse li et puis le bon contravention. Mais en pile fois il carré tout pour tentative de corruption. Oui, pour tentative de corruption, ça même ça arrive même déjà. Et moi de mon ma connais non, est-ce qu'il carré tout pour tentative de corruption? Oui, il carré tout pour tentative de corruption. OK. Mais et j'on aborde des questions, hein, mais il fait de les deux, il fait. Ça, ça son aspect, on dit là. Son aspect. Son aspect. Et chauffeur, et policier à camp, il a checké chauffeur à tout bal licence tout, avec 1000 gouttes, dans 500 gouttes. Et ça, c'est ça son aspect. Mais le deuxième aspect, c'est policier même qui connaît demandé de faire ça. Oui, policier, je suis capable de dire d'une certaine manière. C'est pas tout le monde, c'est pas général. Il n'est pas général, mais l'arrivé, je connais son réalité. C'est illégal. D'abord, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Qu'on gagne tout qui est mal tombé, qu'on tombe sur. Moi-même, ça arrive, mon policier, vle, parfois ça arrive. Mon civil. Mon civil. Il y aura abordé comme ça. Mais. Je ne sais côté problème dans sorti. Côté problème dans yé, exactement. Nous allons venir traiter nos policiers avec ça, Léo. Est-ce que c'est là, c'est. Je ne peux pas justifier ça, non, parce que déjà, on dit illégal. Est-ce que c'est au complet, moi, je cherche pour être capable de faire ce tir ou rencontrer chaque fait moi. Et ça ne peut pas justifier rien. Ça ne peut pas justifier rien, mais quand même, il y a un pile policier honnête dans la rue. Il y a des policiers qui sont dans la rue. Très honnête. Plus fort dans yo, fait travail. Yo, et je connais des cas qui fait déjà côté que un policier a arrêté un monde pour tentative de corruption. Oui. Plusieurs cas. On fait moins ça. Les policiers attendent à l'excès. Ça a mis ça. Et je partage une anecdote là avec nous. Mon justement premier aspect prend. Et puis les policiers à camper. Et puis il m'a dit le permis, il a fait check la souli. Et puis mon tout filé en 500 gouttes. Et les policiers après 500 gouttes là, vexé. Bon, il a arrêté mon nom, mais il mettait 500 gouttes là. Il fait mon nom, exige mon nom, coller 500 gouttes là dans la bouche. Et il fait le camping dans la rue pendant un petit temps. Bon, ça c'est excès. Ça c'est excès. Ça c'est excès. Oui, ça c'est excès. Mais il faut passer pour le décapable boutrer mon nom, qu'il n'est pas rentré, il n'est pas marché. Non, logique ça. Non, logique ça. On nous tout venir, inspecteur, sous traitement policier, en dans commissariat. Nous, elle déjà dans la rue. Maintenant, salaire policier, avantage que vous avez, différents salaires. On nous aller d'abord pour agent 1. Qui traitement vous jeune? Parce que c'est vous-même qui. Base la police. Base là. Bon, un agent 1 touché 19 832 gouttes 04 centimes. Répondez-moi, s'il vous plaît. 19 832 gouttes 04 centimes. Brut net. Ça, c'est net, ça, comme qui vient joindre. Okay. Après toute taxe, assurance, ouais, etc. Mais salaire brut, là, c'est 25 000 gouttes. Ok. Ok. Et. Faut-il rappeler là? Ça, c'est agent 1. Ouais. Il va jouer encore? On dit 4 débits, on dit. Ouais, bon, il y a 4 débits, on quitte 5 000 gouttes, puis on passe à 10 000 gouttes. Double 10 000 gouttes. Ça, t'es venu régulier, monsieur? T'es comme bonne rate, moi, t'es qu'on fait tout ça. Tu vois, j'ai un peu de policier plein. Bon, toujours un petit ratement, mais nous, je venais quand même. Okay. Toujours un petit ratement. Ordinairement, on chaque le 5, il vient pas chaque le 10. On vient dans fin mois, mais on venait quand même. Ok, ok. Agent 2. Bon, agent 2 a touché d'une manière brute 27 000 goudes, mais salaire néancé 21 312 goudes 04 centimes. Ok, agent 3. Agent 3, 29 000 goudes de brut, néa c'est 22 792,04. Ok, agent 4. Agent 4, là, lui-même, c'est 34 000 goudes brut, néa c'est 24 272 goudes 04. Qu'on a déjà bien dans notre catégorie, inspecteur.
Bon, inspecteur touché. Inspecteur principal. Inspecteur municipal touché 35 000 gouttes brutes. Et salaire net assez 27 107 gouttes 42 centimes. Mm-hmm. Pour IPA, lui-même, il touche 41 000 gouttes. Mais inspecteur Néa, principal. Oui, inspecteur principal. Mais il est assez 31 523. Good. 31 361,70. Et c'est ça, on inspecteur principal touché. Pour inspecteur divisionnaire, c'est 47 300 good de salaire brut. Mais il est à lui-même, c'est 35 393 good 70. Ok, ok. Et où est-ce que tu chiffres pour le commissaire? Bon, pour commissaire, c'est commissaire municipal touché 52 000 gouttes de salaire brut, 38 000 gouttes et poussière de salaire net. CPA touché 57 000 gouttes, salaire net à 41 601 gouttes 70. Pour le commissaire divisionnaire, c'est 62 000 gouttes. Brut, là, c'est 46 000 gouttes. Le commissaire divisionnaire touché. À la différence, c'est inspecteur, lorsque vous commencez responsable de commissariat, il y a des privilèges qui ont été bon, gaz. Non? Bon, gaz, il n'y a pas de pour vous. Il n'y a pas de pour fonctionnement commissariat. Ok, ok. C'est pour machine de fonctionnement. Oui, pour machine de fonctionnement, il n'y a pas de pour mettre gaz à dedans, machine de patrouille, pour mettre gaz à dedans. Mais ce n'est pas pour vous, gaz, ce n'est pas avantage pour lui. Il y a un responsable, il y a un sous-commissariat, il n'y a pas d'avantage. Comme ça, tout bloc fiche gaz, il n'y a pas capable de dispenser le niveau de blé. Au contraire, bloc fiche, ça dépend de combien il y a, il va me suffire pour faire moins vraiment. Pour machine de fonction. Pour machine de fonction ou bien si machine de patrouille, tout, il pas suffit, il pas fait moi vraiment. Oui. Mm. Cela veut dire que je pas crois que yon moun qui est responsable au commissariat, gon avantage que l'état bas ou avantage yon yon peut pas arriver dans pas quoi arriver dans niveau commissaire, même commissaire yon tout bon. Gen pile fois tout yon kon si que responsable là et rentrer dans un cadre côté que on a des pays qui ont des primes de risque. Quand on a des primes de risque, on rentre responsable dans la prime de risque, mais ce n'est pas tout vraiment qui joue un avantage. Ça. Mm. Maintenant, est-ce que avec ça, les ça, yo, on prend pour agent, yo, est-ce que ça permet de vivre ensemble avec lui décemment? Bon, honnêtement, parce que vous êtes responsable syndical, on parle ensemble avec vous, autant de déshydratants, autant de plaintes, vous vivez tout en tant que policier. En tant que policier, il n'est pas suffit pour. Comme ça va suffire pour. Et ça fait demander. Et ça va exclure syndical, c'est frustration, ça y a problème, ça y a. Côté policier, pas qu'à joindre deux bouts, vraiment vrai, qui fait que nous obligés, ouais, que par seul côté pour nous passer, pour nous capables de faire autant de voix, nous, c'est voix syndicale là. Et parce que nous pas arrivé vraiment joindre deux bouts. Gonti bagay m'a pas ajouté pour qui vraiment montrer côté que nous yo obligé repenser bagay on dans la police là. OK. M'a songe que en 95 moins agent 2. Moins agent 2 m'a touché 4100 goud. OK. 4100 goud là t'ban en US 241,17 $. Laisse à goud là t'a 17 goud pour 1 dollar. Je dis à la, un agent 2 touché, quoi j'aime ce dollar, 21 312 goudes. Le converti dans US, libre 177 dollars. Tout 120 goudes pour 1 dollar. Ouais. Ça, vous comprenez là. Est-ce que vous ne croyez pas que de 95 à aujourd'hui, au lieu que nous augmenter, que le salaire nous augmente, Je ne sais pas. Ben dis-en encore, c'est que actuellement là, 95 que nous avons 241 dollars, côté que prix tout produit de nécessité platate. Pendant aujourd'hui là, nous touchons moins scob, côté que prix produit. Inflation, on flambe dans le prix de produit pour mes nécessités. Là, on juge bien pour nous. Est-ce que plan de carrière, ça a été réfléchi pour nous. Est-ce qu'il y a avantage? Qui ça le côté pour nous? Pendant que je te dis que plan de carrière, ça a là pour faire nous gagner une meilleure condition de vie et une meilleure condition de travail. C'est-à-dire que là, c'est plan de carrière, là, nous ne pouvons pas côté le passé du tout. Il pas côté changement qu'il t'a annoncé, il pas côté vraiment vrai. Mais là, c'est surtout responsable gouvernement. C'est pas hiérarchie. C'est pas état-major police là. Non, en fait, c'est l'État. Oui.
C'est l'État qui pas planifié développement personnel policier pour ne pas dire développement tout le pays même. Oui, oui. Et maintenant, on connaît que le syndicat a eu un bon problème, qu'il a fait face ensemble avec lui avant de démouter. Et Yannick et Joseph, qui c'est premier coordonnatrice qui était qui était avant dans l'école, a dérivé démissionné, mais il y a eu un peu de révoqué, mais il n'y a eu pas de démission. Nous avons obligé de faire des mouvements de protestation, et nous avons eu un fantôme 609 qui a été considéré comme bras armé nous dans le syndicat. Fait nous 609 toujours là. Bon et on permet moi et on permet moi faire une décantation lundi fantôme 509 qui c'est bras armé nous. C'est quoi ça de considérer fantôme 509? Bon, yo considère comme ça mais ce n'est pas du tout le cas. OK. Nous même dans syndicat nous sommes groupe monde qui travaille pour la police là tout pour faire yo ouais la police là en l'autre gens. OK. Mais nous travaillons tout dans la paix. Le nous fait sortir nous à visage découvert et que nous prenons la rue, nous revendiquer, nous porter bandoule, nous porter tout ça nous porter pour nous porter revendication nous. Mais pendant que fantôme système l'autre prend la rue, ligue cargo, c'est deux bagages ouais, différents. Oui, oui, en pile désordre, machine désordre, bloquer bagages, machine etc. Nous, tirer. Faut que nous fassions décantation, faut que nous commençons à faire décantation ça. Ça veut dire SPNH syndicat, il pas logé dans les enseignes avec fantôme 609. Pas même bagage avec 609 là. Mais je trouve que fantôme 609 c'est police éclatante, non? Et ligue on capable d'admettre qu'il y a des policiers, mais il y a tout le monde, toute structure là-dedans. Tout bagarre là nous ne sommes pas capables d'attribuer la police seulement. Ok. Parce que, et je m'a tout profité de déplorer un bagarre que je connais écrivé dans l'ONA. Ça arrivé dans l'ONA, je ne sais pas comment il y a des policiers. Mais c'est sûr, les gens qui ont fait le travail dans l'ONA, ils ont un objectif bien déterminé. Ça t'a évoqué, ils ont été bien. Oui, ils ont été entrés dans l'ONA, ils ont agressé. Ils ont gaz dans l'ONA. Et puis, ils ont pris des dossiers okay. dans l'ONA. Ça, c'est un bagage qui était bien dirigé. Et joue ça et nous-mêmes, en dans le syndicat, nous pas conseillé sortir ça. Nous sommes qui étaient déconseillés. Et nous connaissons des gens qui ont sorti, nous fait tout ça, nous connaissons, nous prenons distance. Maintenant, pour l'attaque qui était faite sur Chalmassa avec l'armée, qu'on est que tu as gagné au moins un militaire qui est mort. Il y a des gens qui sont policiers qui sont morts, mais ils n'ont pas de jambes dans le syndicat. Non, non, pas de gain police. Nous n'avons pas vraiment. Moi-même, je n'ai pas de connaissance que les policiers sont morts. Mais vous avez parlé d'un policier qui est mort. Oui, vous avez parlé de lui, mais nous pas de jambes. Moi-même, je n'ai pas de rivé. Il n'y a pas de jambes dans le syndicat. Par contre, les militaires là, vous avez dit, mais qui est-ce qui est l'autre militaire qui est blessé? Bon, est-ce que ce n'est pas le même jour ça tout? Et pas même jour. Ça, c'est le 23 février. C'était avant, c'était époque carnaval. C'est que nous-mêmes, dans SPNH, nous avons dit que l'IPAD propice pour te gagner carnaval 23 février. Et la preuve en est bien grande. Si tu gagnes carnaval, ça a été le moment côté coronavirus, tu es fait paraître. Tu as gagné un pile de monde qui est rentré. Et je crois que ça que nous avons là en termes de coronavirus, ça a beaucoup plus. Nous pas en même temps tout pour que quelqu'un qui était enregistré officiellement là pas de cas mais laisse à New York oui. États-Unis diaspora, Miami diaspora en France on ne sait pas oui ouais oui. Là c'était la logique ça fait que nous te dit pas gagner et nous pas vraiment souhaiter gagner carnaval mais pour l'histoire et pour la vérité sacrifice Sean Masla c'est un guet-apens lui c'est que yo yo connaît que gende d'une manière bon en fait syndicat pas vraiment derrière pour ta craser stand OK syndicat pas vraiment derrière pour craser stand pour le mettre c'est là qu'on a commencé oui bon stand qui dans quartier général et militaire yo oui c'est là problème non j'aime dire que c'est policier un stand piège idée un stand piège que le TI pour le policier a venir bouler m'a dit syndicat non pour le policier a venir bouler c'est là problème chaîne massa de commencer. Mais policier pas gain pour aller bouler stand commandant. Non bah en fait policier yo OK. Juste ça, yo t'ai déterminé pour pas de carnaval. On garde l'autre point. G9 famille et alliés.
qui gagne en tête li un ancien policier parce que révoquel Jimmy Cherizier alias Barbecue et que qui gagne un mandat pour arrêter qui pas côté rejoindre mais c'est qu'il est normalement comment au niveau de la police ça comment au niveau des syndicats nous comprendre regroupement de groupes de gangs armés ça bon Robinson honnêtement pas vraiment souhaité attaquer question politique yo parce que on connaît que nous même syndicats nous pas vraiment nous dit nous pas dans politique. Et je voulais essayer très bref et dans la question ça. Côté que m'a seulement dit que tout ça qu'a fait là yo pour moi-même c'est diversion qu'a fait pour yo pas vraiment attaquer vrai problème peuple haïtien. Okay. Vrai problème yo qui c'est bon insécurité pour moi-même son insécurité qui planifié pour peuple n'a pas ouais problème yo gen pile problème gen problème Petro-Caribé gen ou bon d'autres problèmes encore c'est juste pour masquer problème grand goût problème misère gagnant tout ça c'est des bagages que c'est des outils que monsieur mette en place pour empêcher peuple parce que toute condition réunie là pour peuple ta soulever peut-être qu'il doit élément ça pour empêcher peuple la soulever qui est monsieur ça inspecteur. On va parler de gros chefs dans le pays, du gouvernement, l'État, tout le monde ça. Ce sont des structures qui là pour empêcher le peuple, pour empêcher le peuple à ouvrir vrai problème. Yo. Donc selon il va ouvrir le problème de sécurité, G9 qui a tiré ici, et zone de business qui est bloquée. Il va y avoir une occupation. Donc G9 est allié Fédération Gangsta, l'État commandité par des mains officielles. Par des mains, dans tout sens, dans tout coin. Qu'est-ce qu'a dit sociopolitique paysan qu'il s'agit de moun ka fait l'argent soumise peuple an moun commerçant qui choisit au lieu al planter la tibonite il préfère importer du rien et tout moun sa honnête c'est d'ailleurs toutes âmes qui rentrent yo c'est dans pour yo passé et pas bagaille c'est pas c'est n'yo fait zame en bas non au commencement tout monde fait zame créole mais pourtant des âmes pas des âmes créole encore non c'est policier qui dans la rue ou bien policier pour voir une intervention dans zone entre guillemets ou tout à fait dit qui zone chaudio est-ce que yo parle ensemble avec yo dit yo exprimer qui étude yo pas mais qui étude peur yo par rapport à Arsenal gang ça au gain et au même moyen que yo pas gain. Bon, pour la police, nous ne voulons pas parler de zone de non-droit. Pas de zone de non-droit pour nous? Bon, pour la police, pas supposé qu'il y ait zone de non-droit, parce que la police, c'est la légitimité et violence en amène. Il n'est pas supposé qu'il y ait zone de non-droit. Mais tout ça qui arrive là, c'est une façon pour affaiblir l'institution policière. Parce que le policier, et pour le travail et que lui prêt pour le travail et que lorsqu'on connaît que qui affrontement capitaine ça son façon qui pour rendre police pour faire policier découragé en pile policier qui a quitté dans moment ça ouais jodi là me connaît un grand policier en quatre qui démissionné qui remet démission le jodi même. OK lui remet démission. Est-ce que vous estimez que policier et quitte ça qui parle d'intervention spéciale, yo, quitte ça qui a fait circulation, il n'y a pas de matériel adéquat pour faire travailler ça. Bon gilet, les armes qui répondent à ça, machines, motos qui répondent à ça. Est-ce que vous estimez que nous avons besoin criant d'équipement? Oui, nous avons besoin criant d'équipement, mais ça que moi m'apprends, moi, c'est que je crois que. Dernièrement, le premier ministre a dit qu'il n'est pas satisfait du directeur général là. Mais je crois qu'avant, il a dit satisfait et qu'il parle pas d'équipement. Je souhaite qu'il y ait des équipements qui adaptés à la situation que nous avons là. La situation nous avons, c'est une situation de guérilla urbain. Côté que c'est la police qui a fait un fortement que lié. Nous avons souhaité que blindé en panne, réparé, mettez en service, de manière pour vous capable de travailler avec plus de quiétude, lorsque vous n'avez pas attaqué une zone pour vous préparer. Même dans ce qui m'a demandé dans les opérations Terminator 1, je me demandé est-ce que vous préparez l'hôpital pour les policiers parce que pas d'assurance, pas de l'hôpital. Je me demandé est-ce que vous préparez pour faire un enterrement décent que ce n'est pas agité pour agiter le cadavre pendant que dernièrement là, c'est SPNH là, qui fait déterrer un policier qui est Peter Saint-Jean-Baptiste Pétionville pour travailler un enterrement décent. Nous travaillons en pile jusqu'à ce que vous déterrez et que pour réenterrer encore.
Est-ce que c'est policiers qui parlent dans l'opération Terminator 1? Est-ce que c'est pas j'étais ou j'étais cadavre? Est-ce que vous préparez une morgue pour eux? Est-ce que vous préparez tout pour eux et des familles? Le policier a fini de mourir après un mois, deux mois, il a coupé chèque lui. Comment vous allez quitter pour parents petit li à le vivre? Est-ce que petit li tout papa Lyon l'a gardé le parvenir de travail? Est-ce que c'est pas bandit pour le recruter pour l'alimenter et bandit yo? Et c'est ça préoccupation nous là dans SPNH là. Est-ce que SPNH a gagné un contact direct avec le directeur général là qui vous tendait cahier de déclaration pour le bail gouvernement li, ça fait? On capable de dire que alors dedans relationnons avec des directeur général là avec bon, Ramon Romil. Au commencement, nous avons une petite relation avec lui, parler, échanger. Là, nous avons un problème, nous avons un problème qui pose et nous discuter la veille. Mais ça, il y a quelques temps là que côté Nomil Rameau, et il y a un nègre qui me dit qu'on a couru avec l'académie. Pas tant de nous, vraiment vrai. Il est tellement pas tant de nous, il est tellement pas le travail avec nous, il crée un syndicat parallèle. Oh. Syndicat parallèle, ça, moun qui est responsable, c'est la sécurité Nomil Rameau. Côté que yo amputé nous de deux membres nous tout que yo prend y a le metté dans syndicat qui est le Sinapoa. Bon syndicat deux membres ça veut dire aller tout yo pas oui yo aller de plein gré pas gagne monde qui dit yo c'est grand monde yo grand monde yo fait choix yo y a le syndicat yo veut aller mais quand même mais faut qu'on dit que c'est bien que nous même espérons que nous ouvert porte syndicale là tout le monde capable faire. Tout le monde, la preuve est grande, c'est que vous avez créé un autre syndicat qui c'est de bonne guerre. Le syndicat pour la Lyon enregistré, reconnu normalement. Oui, il est reconnu par le ministère des Affaires sociales. Nous avons tout droit de fonctionnement. Nous. Et que même gain arrêté le ministre de sorti en tout, qui permet de fonctionner tout. Mais il faut que je dise tout, arrêtez ça, gon piège là-dedans. Parce que un policier, en tant que citoyen, ou capable de choisir pour ton candidat l'ouvre. Mais dans la loi, ça a pour le ministre en sortant, il dit que pour un policier, tu as une porte le candidat, il faut qu'il a démissionné 2 ans à l'avance. Oui. Mais pendant 2 ans, ça a démissionné, il dit pas le candidat, ça l'a mangé. Est-ce que vous considérez ça? Son policier qui baille tout le temps dans la police, pour dire que s'il a besoin le candidat, c'est 2 ans pour le remettre démission à l'avance. Comment vous voulez? Parce que pas qu'à la fois candidat et policier. Nous bon, son bagage que au moins à la veille des élections il doit même démissionner même il doit juste prendre une mise en disponibilité 1 an et puis la règle à faire s'il pas bon il doit retourner dans le poste encore. Okay. Même j'ai le fait pour plusieurs monde en fonction publique là. Parce que ça qui est l'esprit pour policier à part en fonction lorsque le candidat, c'est parce que lorsque le candidat est policier en même temps, les gars tout est plus ou moins machine d'État, ça m'a fait des machine d'État, pas de façon pas machine qui clan, non, c'est les gars armes, les uniformes, déjà le bon rapport de force par rapport à l'autre et qui est élevé. Pas quoi dans le ça vous fait. Pas quoi c'est dans la logique ça fait, il fait dans l'autre logique. Pour caser nous? Oui, juste pour mettre les policiers à camp pour un côté, pour ne pas gagner aucun match de manœuvre, pour sortir dans le labyrinthe. Un policier, moi-même capable de ça, un policier qui est dans la police nationale, qui est dans le labyrinthe, oui. Ça veut dire? Pas gagner porte de sortie. Porte de sortie ou gagner un seul qui c'est porte de sortie pour remettre des missions, après ça, ou tomber dans tout l'autre problème. Honnête. Mais en même temps, il y a des policiers qui sortent à l'agent qui arrivent directeur général, Michel Angéléon. Oui, ni Nomil Rameau tout. Nomil Rameau, oui. Il y a qui fait tout parcours là, qui vient inspecteur général. Oui, mais il fait parcours là, je suis d'accord que vous faites. Mais combien d'années vous avez, jusqu'à présent, combien de policiers vous arrivez dans le niveau ça? Vous avez fait tout. Moi-même, je suis policier 5e promotion. Je suis en revanche de vous. Est-ce que c'est mieux faire une justice dans la police là? Moi, son victime. Je ne sais pas si je dit là, sous plateau, mais je me dis ça. Madame, je ne sais pas si pas bon. Je ne vais pas cacher. Parce que je ne sais pas si je ne pas caper les cailles. En dans la police. Là. Et là, ça sont des amis qui disent que je ne vais pour me retirer. L'album est pour me retirer. Il est tout bon femme dans tout. En fait, ça, c'est triste.
Oui, oui, c'est... Mais quand même, c'est son réalité liée. En même temps, son choix est fait pour te rester honnête, pour ne pas t'impliquer dans mauvais bagages, pour te faire l'argent facile. Oui. Si je me dis que je vais travailler dans la circulation, et puis je me crampe pour l'arrière, chaque monde qui passe, je me dis, bon, 1000 gouttes. Ou en sonnel. Oui. Je me dis que je prends licence ou je vais camper là, bon, 1000 gouttes pour aller. Pendant la journée, je vais faire 3, 4, 5 000 gouttes, 6 000 gouttes, tout dépend de qui en journée. Beaucoup plus. Je vais payer Kaïmoué. Alors, en fait, du moins, tu as fait beaucoup plus que ce chèque là. Je vais faire plus que ce chèque là. Mais on fait choix pour que vous soyez policier honnête. Là, nous arrivons, inspecteur, lundi, occasion pour vous. Pour adresser un message, s'il vous plaît, à policiers pareil ou Captain Dola Kounyala, en tant que responsable syndicat. Bon, message que j'ai pour les policiers, c'est que SPNH là, censé son syndicat police nationale allié. Dans le moment, ça a traversé un peu de difficultés, côté que j'ai un membre nous, tant que porte-parole, nous, Gonek Abelson, que nous avons une sanction. Qui n'a pas écrit aucun côté. Côté même, nous, inspecteur général, dit Gonek Abelson n'a pas gagné pour me reprocher, mais quand même, il y a une sanction. Il dit la bouche, je ne vais pas citer qui dit ça. Côté Gonek Abelson, son policier qui fait 11 ans dans la police, là. Côté que il n'a pas recevoir aucune lettre de blâme, aucune suspension, aucune bagarre, qui aurait été ou choisi. Ou par le fait qu'elle te réponde, ministre de justice Luc Mandelil, qu'elle te traite policier ou de voyou, elle te répond, ou dit que ou a révoqué le pour ça, nous dit non. C'est injustice. Tout ça, c'est injustice liée. Et je crois que le pays, en supposé qu'on est, ça qui a passé. Nous gagnons. Nous avons l'autre policier encore. Bon, gagnons l'autre. Cas de justice qui passe encore, mais je ne vais pas relater là sur le plateau. Là. Okay. Mais ce qui est important pour moi, c'est que maintenant des policiers restent confiants. SPNH travaille pour les faire, pour les défendre de tous les policiers, pour les faire que, parce que les revendications sont toujours là, toujours même bagaille, nous demandons des salaires là pour les supposer 50 000 gouttes. Salaire de base. Salaire de base pour un agent 1. Et que pour Ticat là, t'as 25 000 gouttes, c'est toujours même revendication. Côté que nous demandé pour assurance nous, qui c'est une assurance fantôme, pour faire vivre une assurance réelle, côté le policier prend balle ou bien n'importe sale gain pour le cas de la santé. Côté que le policier mourit, accompagnement yo, parfait, vraiment vrai, mais même petit frère qui mourit. Petit frère dans l'équité, c'est nous-mêmes qui avons aidé pour aller à l'école, pour manger, pour l'habiller, tout le bagaille. La police va y mettre, oui, petit frère qui était policier, il n'y a pas de petit lien à rien. Et que je crois que ça, ce sont des problèmes pour nous adresser et que pour tout le bagaille, ça va résoudre. En même temps, tout, et nous avons fait lui-même, je me dis, mais on dit bon petit temps, que des bagailles, après, les policiers ont fait, ils ont envie de discréditer sur toutes les institutions. Par exemple, sacrifier Jacques Mel là, écoutez, qu'on voit des policiers dans l'unité spécialisée, ZKP, malmenon, on élève. Ça dit non. Bon, ça dit non, en pile. Mais, je ne parle pas de défendre les policiers. Mais l'homme garde l'image là, moi que élève là attaquer policier avant par contre si me fait faute non va continuer parce que et par contre si me fait image mais il a toujours montré nous un policier supposé appliquer une force qui est légèrement supérieure à résistance que le jeune là. OK. Et moi crois que jusqu'à présent policier ça il était dans limite là, il était capable ouais que commandant et toi oui. Son seul élève. Toi son seul élève oui. Mais et il faut que tu te maîtrises parce qu'il est là, tu es très turbulent. Oui. Tu es très turbulent. Tu es maîtrisé. Maîtrisé, oui. Oui. Maîtrisé. Mais dans la façon de maîtriser, il doit. En plus, le monde est capable de faire excessif. Mais niveau violence que le monde est là, ou supposé monter le deux cran pour arriver à maîtriser. Si vous êtes dans le même niveau avec elle, c'est comme si vous avez son kiff la paix. Ou si vous montez le deux cran pour maîtriser, je crois que la police est arrivée à faire ça. Sans que je ne pas souhaiter défendre vraiment, oui. Mais nous connaissons que le travail policier en Haïti face à manque de gens que la population, ouais,
policiers, les gens qui n'ont vraiment pas respecté nous en tant qu'agents de l'ordre, je crois que les gens de petits cas sont privés assez souvent. Parce que population, éducation, police, population parfaite en termes de compétences.